Emmanuel, je t'invite à venir pour la communication suivante. Donc Emmanuel Hélier est une ancienne bordelaise qui est maintenant à Rennes, directrice de l'UMR Réseau, professeure d'aménagement. Et nous sommes connus sur les bancs de cette université, même d'ailleurs avant au lycée Montaigne. Donc nous avons une longue histoire commune. Alors nous allons t'entendre parce que nous faisons cet après-midi davantage de pas de côté, puisque c'est normal, nous élargissons au fur et à mesure. Je l'avais dit ce matin, nous parlons de Gironde, de Nouvelle-Aquitaine. Donc là nous faisons un petit pas de côté vers Rennes. Donc tu as le micro, voilà, service d'eau et aménagement urbain, quelques enseignements de la configuration rennaise. Merci. Très bien. Bonjour à tous, rebonjour. Donc je vais déjà compléter la présentation parce qu'il est toujours important de dire d'où on parle. Donc effectivement, donc, je suis enseignante-chercheure en aménagement et urbanisme à l'Université Rennes 2 et simultanément je dirige l'UMR ESO dont le logo figure ici. Donc c'est Espace et Société. Une UMR CNRS qui est implantée sur 5 sites de l'ouest de la France, Angers, Caen, Le Mans, Nantes et Rennes. Et donc, cette UMR regroupe des géographes et des sociologues et un ensemble de personnel qui représente à peu près 125 personnes et également 125 doctorants. Ce que je vais vous présenter, et je remercie d'abord Sandrine de m'avoir invitée, j'avais noté la date depuis longtemps, et j'ai vraiment plaisir à être ici pour toutes les rencontres faites ce jour. Ce que je vais dire ici a un lien avec nos préoccupations assez larges qu'on partage donc avec Sandrine sur la question de la gestion de la ressource en eau. On avait ensemble collaboré à un ouvrage collectif qui est paru en 2009, portant sur la France et cette gestion de la ressource en eau, avec l'espace au cœur de nos préoccupations. Et je vais être un peu moins, du coup, pointue là, sur la question de la donnée. Hein. Je vais partir sur des aspects un petit peu différents. Et j'ai réfléchi par rapport au thème quand même général qui était eau et aménagement urbain, aux logiques d'intégration dans le cadre du projet urbain, mais aussi territorial. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas envisager l'urbain sans le territoire joint. On le reverra tout à l'heure à travers la question des prélèvements et des politiques de collaboration avec les agriculteurs dans les aires d'alimentation de captage, sujet sur lequel aussi Bernard a travaillé. Donc, intégration dans le cadre du projet urbain et territorial, et moins sur les questions d'urbanisme, et au sens des documents d'urbanisme et de la planification urbaine. Je commence par deux photos. Ah non, les voilà. Et par l'entrée du paysage, parce que quand j'ai réfléchi à eau et aménagement urbain, il m'est venu d'abord cette entrée paysage de l'eau, ou paysage urbain et eau. Et je vous présente donc deux paysages rennais, mais l'un qui est virtuel parce que la réalisation artistique n'est pas encore faite. C'est le projet de kiosque sur la Vilaine des frères Bouroulec, qui sont des artistes bretons en art contemporain et qui ont donc eu une commande pour décorer en quelque sorte la Vilaine, la remettre en valeur à un endroit que je commence à reconnaître maintenant. Et qui est plutôt en aval de Rennes, du côté de l'ouest rennais, et qui mettra en valeur l'eau, mais sous l'angle esthétique, avec une fréquentation normalement, et qui ouvre un nouvel espace public dans l'eau, sur l'eau. Voilà, et cher à la maire de Rennes, donc il y a beaucoup de communication territoriale actuellement là-dessus. Donc une visée esthétique, et puis une visée peut-être loisir, urbain à travers le canal Ilérance au nord du centre de Rennes et donc avec une confluence avec la Vilaine, mais ici on est sur le canal en amont de la confluence dans un espace qui va être réaménagé et qui a déjà bien commencé à être réaménagé, un parc naturel urbain de 30 hectares qui s'appelle les Prairies Saint-Martin et sur lequel avec d'autres collègues géographes j'ai réfléchi aussi à la
à la place de l'eau dans le projet naturel urbain, le projet de parc naturel urbain. Donc, il me semble là qu'il y a des éléments où l'eau et l'aménagement urbain sont mis en lien à travers des projets de réaménagement, alors des berges, donc à une échelle locale, hein, avec le kiosque là des frères Bouroulec, par exemple, création d'un nouvel espace public, du multi-usage. Également, on peut penser aux péniches hein, qui stationnent et qui sont parfois habitées qui donnent lieu après à des liens avec justement la réglementation urbaine, de l'usage des berges, des fluides, hein, des réseaux, etc. Donc une échelle locale que l'on peut envisager. Une échelle de l'agglomération là, beaucoup plus large, à travers les coulées vertes hein, qui croisent avec les schémas de cohérence écologique à l'échelle régionale. Donc on peut même monter à cette échelle-là. Coulées vertes et bleues, trames vertes et bleues. Les îlots de fraîcheur, ça a été évoqué ce matin enfin, sous l'aspect, on va dire, le négatif des îlots de chaleur. Mais ces îlots sont effectivement réfléchis à cette échelle-là. C'est le cas dans l'agglomération rennaise et en collaboration avec des chercheurs, hein, notamment du laboratoire LETG en géographie, qui ont cartographié actuellement les baisses de température micro-locales hein, en lien avec la végétalisation et qui ont fait des simulations en fonction des projets d'urbanisme. Alors j'en reviens quand même à eau et aménagement urbain et puis verdure et aménagement urbain. Il y a bien des projections qui sont faites aussi sur ce sujet-là. Et entre finalement le local et l'agglomération, à une échelle intermédiaire, celle du quartier, un certain nombre d'initiatives aussi sont prises, hein, au-delà des traditionnels, on va dire, bassins d'orage qui peuvent faire l'objet, là aussi, d'une intégration urbaine à travers éventuellement des cheminements, à travers un aménagement des abords, éventuellement des éléments pédagogiques hein, qui sont construits pour sensibiliser le public à la fonction de cette eau dans la ville hein, qui est faite donc, pour le stockage, la régulation. Là, je pense qu'on n'en est plus aux innovations. Hein, ce sont des dispositifs maintenant bien ancrés. On peut aussi observer un certain nombre de nouveautés dans la ville à travers la gestion alternative, notamment des eaux pluviales. Alors justement, hein, là, je vous ai parlé plutôt d'éléments d'eau dans la ville, toujours un peu paysagers, occupation de l'espace, etc. Les services d'eau là-dedans, ils sont quand même assez invisibilisés. Hein, ça a déjà été dit ce matin. Ils n'apparaissent pas. Et c'est effectivement, assurément, une raison pour laquelle l'eau dans la ville peut être sous-estimée par l'habitant citoyen. Les eaux pluviales, c'est un peu différent, justement. Et je pense que si, et ça a été dit encore aussi ce matin, par quelqu'un qui a dit ben, finalement si l'aménagement de l'eau lié à l'eau est plus visible, le risque des extrêmes, la gestion des extrêmes et l'acceptation des extrêmes sera facilitée, elle sera intégrée culturellement finalement et socialement. Donc il y a des enjeux sociaux forts. Alors j'ai tenté de bâtir un triptyque pour penser donc à ce moment-là, en allant un petit peu plus loin, service d'eau et aménagement urbain, à travers trois entrées hein, qui me sont venues à l'aune des recherches de terrain que j'ai pu mener donc en Ille-et-Vilaine et sur Rennes en particulier, mais aussi quand on avait produit l'ouvrage, hein, on avait l'ouvrage collectif en 2009, ces termes émergeaient déjà. Peut-être que le troisième est encore plus nouveau, écologisation, hein, il monte en puissance. Mais ce sont les trois termes de sécurisation, rationalisation territoriale, sur lequel je reviendrai avec les cartes rennaises, et d'écologisation, avec effectivement une sécurisation qui figure dans les programmes hein, des gestionnaires des services d'eau. Pour l'eau potable, la quantité, bien évidemment, je décrivais à une personne à midi ce système en Ille-et-Vilaine de confédéral, hein, de plusieurs syndicats de production réunis dans un syndicat départemental pour
sécuriser les infrastructures de production à partir finalement aussi d'une contribution de chaque abonné, hein, une redevance supplémentaire, donc système qui existe depuis 1992. Donc construction d'interconnexions, infrastructures de production mutualisées à l'échelle départementale, c'est-à-dire que politiquement, la question a été portée et les élus locaux ont accepté le transfert des infrastructures de production de leur commune ou de leur petit syndicat vers le gros syndicat départemental. Et la question sanitaire, très importante également par rapport aux indicateurs chimiques, hein, physico-chimiques, suivis, pesticides, nitrates notamment. L'écologisation, donc, montée en puissance à partir de la directive 4 sur l'eau, hein, notamment. Donc là, c'est un élément exogène aussi, hein, qui a fait que l'agglomération et les agglomérations en France ont pris en compte cet aspect-là, à la fois de la gestion des eaux pluviales, des eaux de ruissellement, qui sont chargées en polluants. Comment on fait, hein, pour qu'elles reviennent au milieu sans altérer ce milieu. Et puis les milieux aquatiques eux-mêmes, hein, qui sont un petit peu un angle mort, parce que les gestionnaires des services d'eau, certes, ils ont des normes à respecter, hein, par rapport au rejet des eaux, mais ils ne s'intéressent pas directement au milieu lui-même, au sens notamment de la biologie, par exemple. Là, on a une connexion, une interface qui est à travailler, milieu aquatique, et relève d'autres acteurs. Et donc, autre élément, la rationalisation territoriale, mais je vais y venir tout à l'heure. J'en ai dit deux mots à travers déjà les infrastructures de production, hein, qui peuvent être portées dans la stratégie, hein, de modernisation et d'extension, peuvent être portées par des structures supralocales, hein, telles un département, une structure de niveau départemental. Et moi, j'ai observé qu'effectivement, par exemple, dans le projet Prairie Saint-Martin, dont je vous ai donné une photo tout à l'heure, enfin, connexe, le canal qui est connexe à ces prairies, la question du champ d'expansion des crues me paraît être important, et celui aussi des zones humides, hein, c'est corollaire. C'est-à-dire les projections d'urbanisation et même les programmes d'urbanisation amènent à repenser les espaces qui vont être non construits et qui vont être consacrés l'infiltration des eaux et la retenue des eaux lorsqu'il y a crue. Et ça peut causer des petites tensions parce que ces espaces naturels pouvaient aussi être occupés temporairement, par exemple par des jardins familiaux, hein, c'est le cas dans ces prairies de 30 hectares au nord du centre-ville, par différentes occupations temporaires. Les jardiniers avaient construit des cabanons. Hein, et donc l'inondabilité a été mise en avant pour dire les jardins partent. Et également des problèmes de pollution, puisque c'était une zone également où il y avait des industries, notamment des tanneries. Et la métropole a ouuvert deux ZAC, deux zones d'aménagement concertées, résidentielles, qui donc se placent en périmètre des prairies, et qui font que les prairies, voilà, ont été consacrées. Alors également dans le PPRI, hein, dans le plan de prévision, dans le plan de prévention, pardon, du risque inondation, donc document réglementaire. Consacré champ d'expansion des crues, mais avec des frictions, hein, se sont manifestées par des mobilisations locales par rapport à l'usage de ce sol. Hein. Et donc, on n'est pas sur l'eau en tant que telle, mais on est quand même sur des espaces concernés par l'eau qui changent de statut avec les projets d'urbanisation. Et ça me paraît un petit peu des laboratoires ou des lieux qu'on peut observer particulièrement, nous géographes, sur ces tensions d'usage de l'eau et des espaces liés à l'eau. Sur la rationalisation territoriale, quelques mots sur les autorités publiques et les territoires de l'autorité publique pour l'eau potable, avec une rationalisation qui s'est faite récemment à travers
Rennes Métropole, hein, qui est devenue donc autorité organisatrice depuis 1er janvier 2015, avec les compétences eau et assainissement. Et donc, on a un ensemble de 56 communes, hein, au total, formées de Rennes Métropole, 43 communes et 13 communes périphériques, qui ont constitué la collectivité eau du bassin rennais. Voilà, et ce périmètre étant l'héritière d'un ancien syndicat qui s'appelait le syndicat mixte de production du bassin rennais. SMPBR, tout à fait. Et donc ce délégant à un délégataire, depuis 2015, créé ad hoc donc, la SPL du haut du bassin rennais, avec donc des capitaux publics, hein, 100%. Et un contrat hein, jusqu'à 2030 pour la gestion, sachant que les sociétés publiques locales, vous le savez, donc, sont des sociétés de droit privé hein, pour les salariés, hein, du point de vue droit du travail. Voilà quelques données. Hein, 473 000 habitants, c'est une agglomération et son pourtour hein, assez peuplé. Les densités le montrent aussi. Voilà, 12 prises d'eau et le chiffre peut-être qui devrait clignoter en rouge, c'est eau superficielle, 74%. Ça veut dire que voilà, l'agglomération est très dépendante de ressources, de barrages en particulier, hein, stockées dans des barrages, et donc une ressource vulnérable aux pollutions et au faible débit des cours d'eau qui alimentent ces barrages. Voilà, production annuelle, hein, un peu plus de 20 millions de mètres cubes, pour vous donner une idée, et le nombre d'abonnés également, que j'avais extrait du RPQS, rapport public sur la qualité et le prix des services. Bon, l'assainissement est beaucoup plus... Alors la carte est très mauvaise parce que moi je ne suis pas une spécialiste comme Mathieu ou d'autres, hein, les cartographes. Donc j'ai une carte qui est reprise des sites institutionnels, sites internet institutionnels. Mais c'était juste pour vous montrer, là ce sont les modes de gestion, mais imaginez que pour l'assainissement, il y a au total 26 systèmes techniques, plus le système de la ville-centre. Donc on a encore une grande mosaïque hein, à l'intérieur de l'agglomération. Et donc la rationalisation, elle est en cours. Je dirais qu'elle est quand même moins forte, et vous le constatez vous-même, que pour vous l'imaginez, que pour l'eau potable. Alors comment faire métropole dans ces conditions-là ? Il me semble qu'il faut observer les choses depuis plus longtemps que la création de la métropole au sens institutionnel 2015, c'est-à-dire revenir avant. Hein. Alors de fait, moi je suis le dossier depuis... Je suis arrivée à l'université de Rennes, c'était en 2006. Et il faut regarder en ce moment et bien sûr après comment vont se construire ces systèmes de gestion. Regardez comment la capacité politique de la coopération intercommunale évolue, c'est-à-dire effectivement comment l'association des communes permet des décisions collectives pour la mutualisation, pour également, actuellement, l'harmonisation des prix de l'eau, qui est une autre question, mais qui souhaite démontrer un volontarisme hein, politique, mais donc en dépassant hein, les questions de logique économique de production du prix de l'eau. Alors, penser l'unité territoriale par l'eau passe évidemment par aussi la prise en compte des bassins versants. Ce qui est dans le cas dans la politique, le projet urbain là, sur les prairies où on prend en compte le bassin versant de la Vilaine, parce que finalement si les prairies Saint-Martin, 30 hectares donc au nord du centre-ville, sont chances d'expansion des crues, c'est à l'intérieur d'une politique de bassin versant PPRI de la Vilaine, hein, à l'échelle de l'ensemble du bassin versant. Donc trouver cette unité par le bassin versant, une unité aussi par la ressource territoriale. Ici, c'est une carte qui représente. Alors, vous avez, qui est
la communauté, enfin, la collectivité eau du bassin rennais et envers les bassins, les aires d'alimentation de captage, et qui sont soumises à des contrats avec la collectivité hein, pour changer les pratiques culturelles. Donc vous avez au nord-ouest le Haut-Couesnon, la Haut-Trance, enfin au nord-est, pardon, au nord-ouest la Haut-Trance et le Meux à l'ouest, et donc des prises d'eau qui sont éloignées de l'agglomération et qui sont l'objet d'une politique publique soutenue par l'État, puisque l'agglo a répondu, enfin la collectivité Eau du Bassin Rennais, à un appel d'offres, TIGA, hein, l'appel à manifestation d'intérêt TIGA, et le laboratoire Espace et Société avec Catherine Darrault est engagé sur ce programme d'études d'amélioration de la qualité de l'eau. Donc, système territorial, hein, véritablement. C'est là-dessus que je termine. Et donc, merci de votre tolérance pour le fait que voilà, je ne suis pas axée tout à fait sur peut-être le sujet des données, mais sur plus large. Non, mais merci, parce que du coup, on peut l'applaudir.